Mon ami. Bonjour. Moi c'est Auguste. Arnold. Enchanté Arnold. C'est un plaisir partager. Ce qu'on aimerait savoir et nos interrogations est la suivante. Quelle est la tribu selon toi la plus intelligente au Cameroun? Point d'interrogation. La tribu la plus intelligente. Les Bouddhas. Les Bouddhas? Pourquoi les Bouddhas? Moi je connais juste deux. Moi c'est qui a les Bamileke les doigts là. Les Bamileke les doigts là. Hey, laisse les gens. Pourquoi les Bouddhas? Les autres tribus pensent plus au présent que le lendemain. Je prends un exemple sur les Bassas par exemple. Un Bassa va te dire qu'il vit le jour le jour. Peut-être même les professeurs se privilégier de souffrir aujourd'hui pour mieux être demain. Donc pour moi, ce sont la tribu la plus intelligente pour moi. Continuez. Chers abonnés, restez scotchés sur un rameau jeune. Likez, abonnez-vous et partagez. Faites comme moi. Merci. Auguste. Moi c'est Yvan. Enchanté Yvan. Oh. Ok, ce qu'on aimerait savoir et nos internautes est la suivante. Selon toi, quelle est la tribu la plus intelligente au Cameroun selon toi? Moi je dirais les Bamileke. Les Bamileke? Oui. Mais pourquoi les Bamileke? Déjà, ce sont eux les plus intelligents en affaires. Déjà, ils ont un peu bon sens au niveau. Même quand on parle agent et tout, et même au niveau des résultats, quand on voit souvent les résultats, c'est souvent très bien. Mais on s'est rendu compte que la tribu la plus nombreuse au Cameroun, par exemple, c'est l'extrême nord. Donc logiquement, c'est devait être les gens de l'extrême nord qui devaient être les plus intelligents. Puisque les Bamileke d'abord, c'est pas la tribu la plus nombreuse. C'est la quoi, c'est la région la plus petite, si je ne me trompe pas. C'est l'extrême nord la plus nombreuse. Tu penses trouver les Bamileke? Moi, je sais pas quoi. Il y a les nordistes aussi. Donc tu peux dire c'est les Bamileke? Ouais, moi, c'est la tribu. Bon, tu as eu une expérience avec Bamileke ou bien tu te dis à l'opinion publique? En fait, moi, je ne peux pas me l'avoir sur moi déjà parce que moi, je suis Bamileke. Et moi, c'est là que. Bon, je suis quand même déjà. Je te remercie. Voilà. Moi, c'est Auguste. Moi, c'est Ange. Enchanté, Ange. Merci. Ok, ce qu'on aimerait savoir et nos internautes est la suivante. Selon toi, quelle est la tribu la plus intelligente au Cameroun? La tribu la plus intelligente? Les Bouddhas. Les Bouddhas? Pourquoi les Bouddhas? Moi, tu es Bouddha. Mais on sait qu'au Cameroun, la tribu la plus nombreuse, c'est l'extrême nord. Donc, normalement, il devait être les plus intelligents. Pourquoi tu es Bouddha? Parce que si je te passe, c'est toi. Tu n'as pas une expérience avec les Bouddhas. Parce qu'il y a un Dieu qui a des cantres. Non. Donc, tous les Bouddhas sont intelligents. Parce que moi, je connais l'exception. Hein. Je connais beaucoup de personnes qui sont Bouddhas, mais qui sont cantres. Hein. Je te remercie. Mon ami. Bonjour. Moi, c'est Auguste. Arnold. Enchanté Arnold. C'est un plaisir partagé. Ce qu'on aimerait savoir et nous interroger est la suivante. Quelle est la tribu selon toi la plus intelligente au Cameroun? Quoi? La tribu la plus intelligente au Cameroun selon toi? Mais les Bamileke. Les Bamileke? Oui. Ah bon? Oui. Pourquoi les Bamileke? Je vais dire les Bamileke pensent plus au lendemain qu'au présent. Les autres tribus pensent plus au présent qu'au lendemain. Je prends un exemple sur les Bassas par exemple. Un Bassa va te dire qu'il vit le jour le jour. Peut-être même les professeurs se privilégier de souffrir aujourd'hui pour mieux être demain. Donc pour moi, ce sont la tribu la plus intelligente. Pour moi, pour ma part. Ok, donc en fait, les Bamileke, ce sont les gens qui voient à long terme, c'est ça, non? Ouais. Tandis que les autres vivent au jour le jour. Ok, je te remercie. Bonjour, ma chérie. Moi, c'est Auguste. Très joli prénom, Cassandra. Ce qu'on aimerait savoir et nos internautes est la suivante. Selon toi, quelle est la tribu la plus intelligente? Moi, je connais juste deux. Moi, c'est qui a les Bamileke? Les Bamileke, les doigts là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, je suis avec les doigts. Donc, ton expérience est personnelle en fait. C'est ce que je dis au quotidien. Bon, parce que la matière à qui j'ai demandé, c'est toujours. Bamileke, Bamileke, Bamileke. Bon, tu viens des 10 doigts là. On sait que les doigts sont aussi les crâneurs, mais intelligence. Donc, tu te fais par l'opinion publique. Tu te fais à ton expérience personnelle. Oui.
je te remercie. Bonjour mon goût. Merci, bonsoir. Moi c'est Blanche de Rago Jeune, et toi? Moi c'est Loris. Oh, quel joli prénom, Loris. Quelle est la tribu la plus intelligente au Cameroun? La tribu la plus intelligente au Cameroun, c'est quoi? On peut pas dans le petit pas. On peut pas directement la tribu la plus intelligente au Cameroun parce que toutes les tribus camerounaises sont intelligentes. Mais parmi les meilleurs, il y a les plus meilleurs. Oui, il y a les meilleurs comme il peut citer une tribu Cameroun qui est meilleure comme la tribu du petit pas. Les Bamileke. Pourquoi les Bamileke? Moi j'apprécie essentiellement les Bamileke parce que quand tu manges partout au Cameroun, quand tu vois les grands instituts, les grands centres de formation, ils sont dirigés par les Bamileke. Mais la plupart des populations au Cameroun sont les Nordistes, les gens de l'Est. Mais pourquoi choisir les Bamileke? Je choisis les Bamileke parce que j'aime la mentalité des Bamileke, leur fonctionnement. Ok, merci. Si on t'a conseillé, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Donc ce qu'on aimerait savoir et nos internautes est la suivante. Selon toi, quelle est la tribu la plus intelligente? Là. La tribu la plus intelligente au Cameroun? Je ne saurais le dire. Est-ce qu'il y a un instrument pour mesurer cela? Bon, de ton point de vue, non, de ce que tu as eu à voir, de ce que tu as eu à vivre, même des opinions publiques. Bon, elle s'est dit que ce sont les Bamileke. Les Bamileke? Mais pourtant, au Cameroun, il y a beaucoup de tribus qui sont même plus riches que les Bamileke. Par exemple, au Cameroun, dans la région du centre à Yaoundé, la majorité des gens du gouvernement sont au centre. Mais être dans le gouvernement ne signifie pas être riche. Ah bon? Moi, je sens que le pouvoir fait l'argent. Mais non. Ceux qui détiennent le pouvoir économique ne sont pas ceux qui sont à Yaoundé. Mais le pouvoir est politique, a le pouvoir sur le pouvoir économique. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, tu dis que c'est les Bamileke. Ouais. Donc, tu n'as pas une expérience personnelle pour dire que c'est les Bamileke. Donc, si tu peux dire que c'est les Bamileke, tu vas dire que. Intellectuellement, je dirais que les résultats aux examens parlent pour moi. Ce sont les Bamileke. Mais tu es fait au résultat des examens pour dire que c'est les Bamileke. Je te remercie. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Auguste. Lima. Enchanté, Lima. Ok, cette apostille, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Ce qu'on aimerait savoir et nous faire nous est la suivante. Selon toi, quelle est la tribu la plus intelligente au Cameroun, selon toi? Les Bakoko. Les Bakoko. Oui. Pourquoi les Bakoko? Parce que je suis d'abord Bakoko. Parce que d'abord Bakoko. Mais il y a les Bakoko qui sont quand? Il y a des Bakoko qui ne connaissent pas les Bakoko qui connaissent pas intelligents. Vraiment, hein? C'est très intelligent. Mais au Cameroun, il y a beaucoup de tribus. Il y a des tribus qui sont différentes, que toutes les tribus sont intelligentes. D'autres disaient les Bamileke, d'autres disaient les Douala, d'autres disaient. Donc chacun donnait sa part de tribus. Donc toi, tu maintiens les Bakoko. Puis tu te passes chez Bakoko. Au revoir. Toutes les tribus sont intelligentes, c'est vrai. Tu ne peux pas seulement catégoriser une seule tribu et laisser les autres. Donc je suis quand même d'accord. Mais les Bakoko ne sont pas les plus riches. C'est quoi? Ils ne sont pas les plus riches. Je te remercie. D'accord, il n'y a pas de quoi. Bonjour, jeune dame. Hein? Moi, c'est Blanche de Rago Jeune. Et toi? Ashley. Enchantée, Ashley. Bon, ne sois pas si stressée, maman. Une belle femme n'est pas stressée. La belle femme doit être vaillante. Tu vois un peu. Je vais juste te poser quelques questions. Quelle est la tribu la plus intelligente au Cameroun? Ça, je sais rien. Déjà, tu l'as. Moi, je dirais qu'il y a... Non, vas-y, parle, maman, parle. Tu sais vraiment pas ce que je veux dire. Donc, tu n'as jamais... Il n'y a pas de distinction entre les deux. Non, c'est pas question de distinction, maman. C'est question d'avis, question de... Tu vois, c'est qu'est-ce qu'il y en a toujours une. Ok, bonjour. Moi, c'est Auguste. Idi. Enchanté, Idi. Enchanté aussi. Ok, ce qu'on aimerait savoir et nos internautes est la suivante. Quelle est la tribu la plus intelligente au Cameroun? Les Bamileke. Les Bamileke? Oui. Pourquoi? Bon, je ne suis pas Bamileke, mais je sais que c'est la majorité, c'est les Bamileke d'abord. Donc tu es fier à l'opinion publique, tu sais que les Bamileke? Oui. Mais il y a tous les sections qui confirment la règle. Il y a aussi les Bamileke qui sont quand? Non, la majorité quand même sont intelligentes, c'est intelligent. Bon. Oui. Ton gars était Bamileke. Non, mon gars est Bamileke. Je te remercie. Okay. La voix des sans voix, l'éclaireur de conscience africaine.